Bienvenue sur netprof.fr. Je vous propose une leçon de français portant sur la négation. Vous allez entendre 10 phrases. Vous pouvez écrire chaque phrase, mettez sur pause pour avoir le temps d'écrire, puis vous allez voir la correction. Ensuite, vous allez transformer la phrase dans cette leçon à la forme négative. Pour finir, vous aurez la correction et des explications sur les points difficiles. Alors, je vous propose de commencer avec la première phrase. Il aime le fromage et il boit du vin. Donc, vous pouvez revenir en arrière pour réécouter ou bien mettre sur pause pour avoir le temps de noter cette phrase. Vous reviendrez en lecture pour avoir la correction. Alors, voici la correction de la première phrase. Et maintenant, vous pouvez la mettre à la forme négative. Donc, tous les éléments qui doivent être mis à la forme négative. Alors, voici la correction pour la négation. Il n'aime pas le fromage et il ne boit pas de vin. Alors, on remarque que, alors qu'on peut utiliser le pronom, l'article le dans une forme négative, sans modification, mais par contre, l'article partitif du ne peut pas être utilisé dans une phrase négative. Il est remplacé par de. C'est la même chose pour le féminin de la et le pluriel des. Sauf si on les utilise avec un verbe d'état comme le verbe être. Par exemple, si on disait c'est du vin, c'est du bon vin. Et à la forme négative, ce n'est pas du vin, ce n'est pas du bon vin. Alors, passons à la deuxième phrase. Nous avons de la chance. Alors, voici la correction pour la deuxième phrase. Et vous pouvez mettre cette phrase à la forme négative. Alors, correction. Nous n'avons pas de chance. Comme dans la phrase précédente, de là devient de dans la phrase négative. Passons à la troisième phrase. Il y a quelque chose sur la table. Alors voici la correction. Et vous pouvez mettre à la forme négative. Alors voici la correction. Il n'y a rien sur la table. Donc, le quelque chose devient rien à la forme négative. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours deux parties de la négation. Une avant le verbe, ici apostrophe à cause de l'y, et rien après le verbe. Alors, passons à la quatrième phrase. Vous connaissez quelqu'un à Paris? Alors, voici la correction. Et vous pouvez mettre à la forme négative. Voici la correction. Vous ne connaissez personne à Paris. Donc, quelqu'un devient personne. Toujours deux mots négatifs pour avoir une phrase négative complète. Passons à la cinquième phrase. Quelqu'un habite dans cet immeuble. Alors, voici la correction. Et vous pouvez mettre à la forme négative. Alors voici la correction. Personne n'habite dans cet immeuble. Quelqu'un devient personne. Alors la différence avec la quatrième phrase, c'est que maintenant, quelqu'un est le sujet du verbe. Il est donc avant le verbe. Et on retrouve la deuxième partie de la négation, première partie, deuxième partie, qui sera également avant le verbe ici, puisque le ne est toujours avant le verbe. J'en profite pour vous rappeler que à l'oral, dans la conversation courante, généralement, ce ne n'est pas prononcé. On dirait par exemple, personne n'habite dans cet immeuble. Mais à l'écrit, il faut conserver toujours deux mots négatifs. Alors passons à la sixième phrase. Ton frère travaille encore ici. Alors voici la correction. Et vous pouvez mettre à la forme négative.
Voici la correction. Ton frère ne travaille plus ici. La particularité avec encore, qui exprime l'idée d'une action qui continue, et l'équivalent négatif, ce serait plus. Donc, à la différence de ton frère ne travaille pas ici, une simple négation qui voudrait dire qu'il ne travaille pas ici et il n'a jamais travaillé ici, avec ne plus, on exprime l'idée que avant il travaillait, mais c'est fini. Et donc toujours le ne avant le verbe et le plus après le verbe. Alors passons à la septième phrase. Ce garçon fait toujours ses devoirs. Alors voici la correction et vous pouvez mettre à la forme négative. Alors je précise qu'il y a deux réponses possibles pour la forme négative. Alors voici la correction. Ce garçon ne fait jamais ses devoirs. Donc ici, l'équivalent négatif de toujours sera ne jamais. On pourrait aussi dire ce garçon ne fait pas toujours ses devoirs, ce qui n'a pas tout à fait le même sens, puisque quand on dit il ne fait jamais ses devoirs, ça veut dire absolument aucune fois, pas une fois, alors qu'il ne fait pas toujours ses devoirs, ça veut dire il les fait quelquefois, mais pas systématiquement. Alors passons à la huitième phrase. Mes parents connaissent déjà mon copain. Alors voici la correction et vous pouvez mettre à la forme négative. Voici la correction. Mes parents ne connaissent pas encore mon copain. Donc ici, on a deux groupes négatifs, ne et pas encore, qui indiquent que l'action n'est pas réalisée mais qu'elle peut se réaliser plus tard. Neuvième phrase, il a un ami français. Et ici, vous pourrez faire la. Voici la correction. Et vous pourrez faire la phrase négative avec le mot aucun. Alors, il n'a aucun ami français. En utilisant le mot aucun, on insiste sur le fait qu'il n'y a pas un, absolument pas un. Donc on insiste un petit peu plus sur l'élément négatif que si l'on disait simplement il n'a pas d'amis français. Donc aucun qui devient aucune au féminin. Et passons à la dixième et dernière phrase. On préfère sortir ce soir. Alors voici la correction que vous pouvez mettre à la forme négative. Voici la forme négative. On préfère ne pas sortir ce soir. Donc ici, il serait envisageable de dire on ne préfère pas sortir, mais ce qui ne serait pas tout à fait naturel, car en général, préférer est plutôt utilisé avec un sens positif que négatif. Et ici, c'était l'occasion de voir que l'infinitif à la forme négative a cette particularité que les deux mots négatifs sont avant le verbe et non pas avant et après comme à toutes les autres formes conjuguées. Eh bien, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.